Nous allons configurer la pompe DAB Evosta 2. La pompe DAB Evosta 2 comporte trois fonctions avec trois modes de régulation différentes. Pour déterminer le mode à choisir, il faut déterminer votre situation. C'est-à-dire, si vous avez des radiateurs, il faut choisir pour le mode proportionnel. Si vous disposez d'un plancher chauffant ou d'une combinaison entre un radiateur et des planchers chauffants, il faut choisir pour l'option 2, constante. Pour choisir les différentes options, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton mode plusieurs fois afin de passer d'un mode à l'autre. Si vous souhaitez par exemple mettre aucune option, il faut choisir l'option 3, courbe constante. Chaque fonction possède trois modes de régulation. Le premier mode de régulation utilise le moins d'énergie. Le troisième mode de régulation utilise le plus d'énergie. Pour choisir ce mode, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton mode. Nous vous conseillons de prendre le premier mode de régulation pour ne pas consommer d'énergie. Si vous sentez que vos canalisations ne chauffent pas, vous pouvez toujours changer le mode de régulation en appuyant sur le bouton mode. Lors d'une coupure de courant ou si par accident vous retirez la prise d'alimentation du circulateur, n'ayez pas peur. Dès que vous remettrez cette prise, les paramètres sont enregistrés.